نخرجوش الى السوق جو تو ماركت بالانجليزيه، اللي هو غيمكننا نختاروا هاد 40 مقاوله اللي كتصدر اليوم 2 مليار ديال الدرهم الاجمالي، ونضاعفوا التصديرات ديالها، يعني ضخ درهم للمساعده باش نزيدوا في القيمه ديال التصدير 20 درهم اللي هي مضاعفه ديال الاستثمار ديال الدوله 20 مره سنويا في التصدير. بعد الطلب اللي وجهته الوزاره اقتنوا تقريبا 40 مقاوله من اجل 76 ترشيح. وشنو هما المعايير اللي كانوا؟ المعايير المعيار الاول هو القدره للتصدير ديال هذه المقاولات، المعيار الثاني هو العمق ديال الاسواق المستهدفه، والمعيار الثالث هو القيمه المضافه الوطنيه ديال هذا المنتوج اللي غيتصدر. اليوم يمكننا نقولوا بان هذه تجربه اوليه لمواكبه مقاولات متوسطه مغربيه اللي غتقوي الصادرات ديالنا، وبضخ درهم غنحصلوا على 20 درهم اضافيه لكل درهم اللي دخلته الدوله ديال التصدير ان شاء الله 20 درهم سنويا. يعني هاد الشركات اللي كتصدر 2 مليار غتولي تصدر 4 مليار ان شاء الله، وان شاء الله هاد الشيء غيمكن من تقويه وخلق تقريبا 2000 منصب شغل اضافيه. Le rôle de la SPEX est vraiment un rôle très important. Nous suivons, nous donnons, nous conseillons aux ministres, n'est-ce pas, et surtout aux exploitateurs, aux entreprises qui travaillent pour l'export, d'aller de l'avant. Nous essayons de les défendre au maximum auprès de toutes les autorités compétentes et concernées. Et la preuve, c'est que nous sommes passés, comme disait si bien M. le ministre, de 7 milliards d'exports à 43 milliards voire 50 milliards ou mais al khir qdem inchallah avec cette opportunité nous allons vraiment aller de l'avant inchallah et conquérir je dirais tout le monde parce que nous sommes pour le moment à 0,15 0,14% haram alors que nous avons les compétences, nous avons les potentialités, nous pouvons faire beaucoup pour ce pays inchallah. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de ce programme lancé par le ministère de l'Industrie du Commerce, qu'il a appelé Go to Market. Et ce programme est intéressant pour une société comme la nôtre. Comme vous dites, c'est vrai qu'on est déjà bien établi, qu'à l'export, on fait quand même un chiffre d'affaires qui est ce qu'il est, qui est en tout cas important, jamais important comme on le souhaiterait pour Colorado. Mais le fait de pouvoir signer une convention pareille permet de prendre en charge une partie de nos frais de prospection, de conquête de marché, à hauteur de 80%, plafonné à 2,5 millions de dirhams. Ceci nous encourage à initier des choses nouvelles qu'on ne ferait pas s'il n'y avait pas ce genre de subventions. Donc nous pourrons par exemple penser à aller sur des marchés nouveaux comme l'Afrique de l'Est, sur l'Amérique latine. Donc aujourd'hui on se dit, on prend le risque à moitié, donc il y a des charges qui sont prises par le ministère. Nous avons postulé, il y avait un cahier de charge, nous avons répondu au cahier de charge. Nous faisons partie de ces quarantaines d'entreprises qui ont bénéficié. Donc nous avons des objectifs très clairs à atteindre pour 2023-2024. Nous pensons les réaliser et je pense que c'est un moyen de comme a dit Monsieur le Ministre, très important pour promouvoir, booster l'export de la marque marocaine et l'installer international. Thank you.